Et yep les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc pour la suite de ce DLC, on va découvrir les masques, les casques, les armes, excuse-moi, donc les nouvelles coiffures et les nouveaux vêtements. Donc on va découvrir beaucoup de choses dans cette vidéo. Donc on va commencer par les masques. Donc voilà, biker. Donc là on va voir les tout nouveaux masques. Donc par contre pour avoir ces masques, il faut avoir un casque comme celui-ci. Donc c'est ce qui fait partie des nouveaux casques. Donc je vais vous montrer juste après. Donc voilà. Donc là je montre tout ce qu'on peut avoir. Hop là, donc franchement je trouve assez stylé, mais voilà, c'est pas le genre de truc que j'ai utilisé quoi. Hop là. Donc là on va aller dans les casques biker, comme vous pouvez voir. Donc là donc, pour mettre les masques donc, que j'avais tout à l'heure, il faut prendre un casque rond, donc un casque militaire comme celui-ci. Donc comme vous pouvez voir, ça fait beaucoup penser au casque de militaire. Donc, je trouve ça vraiment assez stylé, ça change un petit peu. Donc voilà. Donc là vous avez plusieurs styles de casque. Donc franchement ils ont vraiment fait un gros effort dessus. Je trouve que c'est vraiment le style biker et tout comme ils avaient dit. Donc franchement je trouve ça vraiment vraiment stylé. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce nouveau casque. Donc vous pouvez voir aussi je suis avec la nouvelle moto. Donc là on va passer à la suite de ce DLC. Donc qui est les vêtements. Donc je précise que dans la vidéo, donc enfin dans cette vidéo, là quand je vous montrerai les vêtements, il y a un moment où ça va bugger en plein milieu, c'est normal. C'est parce que il y a mon média qui a crash. Hop là, donc là vous pouvez voir les toutes nouvelles tenues. Donc par contre il n'y a pas les prix parce que la vidéo j'ai dû la tourner 4 fois car mon média a crashé 4 fois justement. Donc voici les nouveaux jeans. Donc ils sont vraiment stylés hein. C'est vraiment stylé avec c'est pas trop non plus le style que je prendrais. Enfin voilà. Donc ils sont vraiment stylés. Donc moi je suis plutôt jean en cuir comme ça comme vous pouvez voir. Donc voilà. Donc là je remonte en haut pour vous tout montrer. Donc pantalon rembourré chocolat, uni, usé. Donc là vous avez beaucoup de choix. Donc là il y en a pour tous les styles. Ensuite on va passer donc au haut. On va aller. Donc là je me suis trompé. J'avais été dans blouson en cuir alors qu'en vrai il n'y en avait pas. Donc voilà. Bon c'est pas très grave, donc là vous avez un petit moment où je vous montre les vous en cuir. Bon ça servait à rien mais bon c'est pas très grave, je vous ai laissé ce petit fail hein. Hop là. Donc voilà, donc c'est gilet de motard et non vous en cuir. Donc voilà, donc gilet de sport, donc, vous aurez beaucoup de gilets de sport. Donc là donc il y a vraiment beaucoup de styles. Et franchement dans les trucs motards comme ça moi je suis pas trop motard et tout, mais il y a vraiment des trucs qui me plaît. Donc du coup bah voilà, je suis assez content, je suis assez fier. Veste de biker, donc là on peut voir les toutes mes vestes, donc j'achète en même temps hein, comme ça vous pouvez voir. Donc là donc on a vraiment pour un paquet d'argent de ce DLC, je crois que sans arrondir ça va faire moins 10 millions. Donc ouais c'est vraiment énorme. Ensuite on va aller dans blouson de sport. Donc on peut voir les toutes nouvelles doudounes. Donc ça change. Je crois qu'on n'avait pas de doudounes avant, on avait juste des par-dessus. Donc il y a aussi des nouveaux par-dessus, donc je vous montrerai juste après. On a aussi des nouveaux blousons, comme vous pouvez voir. Hop là. Donc là je vous montre les par-dessus, comme je vous ai dit. Donc j'aime aussi les par-dessus parce que les anciens, bon, j'étais pas trop par-dessus comme ils avaient mis. J'avais pas trop. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit bug. Donc voilà. Je m'excuse vraiment pour ce bug. Donc là c'est là où j'ai fait une petite coupure. Hop là. Donc là vous avez vu que j'ai fait une petite coupure vite fait parce qu'en fait comme ça buggy bah ça fait pas très beau aux yeux. Hop là, donc on va commencer à les cyan et col roulé bleu. On peut voir les nouveaux par dessus quand je dis. Donc je me suis j'ai remis là où j'étais arrêté, donc là où il y a eu le bug. Donc voilà. Donc on peut voir les tout nouveaux par dessus qui sont vraiment stylés. Et donc là c'est les blazers, donc je suis trompé, j'avais pas vu que j'étais dans les blazers. Enfin bref, voilà, c'est le off quand tu parles après que t'aies fait la vidéo. Enfin voilà, donc là on est dans les t-shirts, donc t-shirts de biker, donc ils ont fait carrément un nouveau, comment dire ça, un nouveau onglet on va dire de t-shirts biker. Donc avant il y en avait juste les t-shirts tout simple, et là on a pour les bikers spécial. Donc je trouve ça vraiment stylé qu'ils aient fait ça. Et en plus vous pouvez voir qu'ils sont pas très chers. Donc franchement je trouve ça vraiment cool de la part de Rockstar de faire ça. Parce qu'il faut dire que normalement ils sont assez chers. Enfin voilà. Donc là on va aller dans les suites à capuche. Donc pour voir les tout nouveaux suites. Donc qui sont aussi en cuir.
Donc fait plaisir un peu de voir de cuir, parce que je crois qu'on n'avait pas jusqu'à présent, ou alors juste un tout petit peu. Donc ouais, donc là on a aussi des nouveaux hauts de sport. Donc voilà. Hop là, donc on en avait juste 3 ou 4, c'était pas énorme mais voilà, c'est toujours ça. Donc je suis désolé parce que vous pouvez voir qu'il y a mon ordinateur des fois qui bug. Mais voilà. Là c'est pour la vidéo des vêtements, il y a eu quelques bugs, donc voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour les vêtements que ça fait ça. Ensuite, donc là on va aller dans les bottes. Donc voir les nouvelles bottes, elles sont vraiment stylées. Donc là, donc il y en a vraiment de toutes les sortes niveau bottes. Donc voilà. Donc là je vais prendre mes préférées qui sont voilà, celle-ci. Je sais plus comment voir le nom, je vais trop vite, mais voilà. Vous allez pouvoir voir à quoi elle ressemble. Hop là, donc là on va aller dans les accessoires. Hop là. Accessoires poignets. On reste les nouveaux accessoires qu'on peut. Donc il y en a qui sont déjà, comme vous voyez, achetés, si je les ai achetés avec les tenues. Donc voilà, donc faut pas. Je suis pas déjà allé les voir quoi. Donc je découvre en même temps que vous. Hop là. Donc voici tous les poignets. Donc bah ça va, enfin niveau prix, c'est clair que si t'as pas beaucoup d'argent, non. Mais si t'as au moins 1 million niveau bracelet, c'est pas très cher. Donc voilà. Ensuite on va aller aux lunettes, lunettes de sport. Donc voici les toutes nouvelles lunettes de sport. Donc elles sont assez what the fuck franchement. Mais ça reste dans le thème chelou. Dans le thème biker. Voilà, perso j'ai jamais vu des bikers avec des lunettes comme ça. Donc c'est, on dirait que c'est assez marrant franchement. Et dans les casques je suis déjà allé. Donc là on va passer au coiffeur. Donc quoi, ouais, donc là je vous ai fait une petite coupure pour aller au coiffeur comme vous avez pu voir. Donc on va découvrir les toutes nouvelles coiffures. Go. Donc vous avez 3 ou 4 nouvelles coiffures. Mais ça va changer un petit peu de toute coiffure, vous allez voir. On a un peu pour tous les styles. Hop là. Donc voilà, donc c'est à la fin. Décradé mode. Donc là à 1890$ le mode. Crête hérissée. Undercut sur le côté. Hop là. Donc ça c'est un peu le style en ce moment. Il y en a qui sont quelques coupes comme ça. Undercut vers l'arrière. Donc voilà. Vue à l'arrière. Et brosse. Ouais non, ça y est pas brosse à l'ancienne. Je ne crois pas que ça y est. Ouais, non. Après donc mon perso j'ai gardé ma coiffure. Et donc là c'est tout pour les coupes. Donc là on va aller aux armes. Donc hop la petite coupure. Donc ouais, donc là on est aux armes. On va découvrir les toutes nouvelles armes. Donc il y en a je crois 4 ou 5. Donc sinon vous allez découvrir avec moi. Hop là. Donc on va aller. Déjà vous pouvez voir qu'il y a une nouvelle queue de billard. Donc ça fait plaisir. À 5750$. Donc désolé pour les petits bugs avec mon alarme média. Donc là je suis en train de voir qu'il y a eu quelques petits bugs. Hop là, donc il y a aussi des bombes artisanales. Donc c'est une nouvelle bombe. Donc ça c'est stylé. Après vous pourrez, ouais. Après vous irez, enfin vous verrez, je les ai testés. Enfin voilà. Donc là je suis vraiment désolé, je vois que ça bug à mort. Mais bon, on va dire que ça va à peu près. Donc voilà. Ensuite on peut voir la hache de guerre à 8740. Lance-grenade compact. Donc hop là, donc la charge à grande capacité. Donc le seul que je vous ai pas montré c'est le lance-grenade compact, je crois, j'ai oublié de vous le montrer. Mais voilà, donc c'est juste un lance-grenade quoi, un petit pistolet quoi. Enfin, voilà. Donc désolé parce que je sais que ça bug un petit peu là pour cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous aime pas trop. Donc on a c'est la bombe artisanale. Hop là. Donc elle fait pas non plus hyper beaucoup de dégâts. Mais voilà, c'est pour viser genre un seul homme, donc si vous visez un homme, ça tuera que cette personne là quoi. Ensuite, donc là j'ai pris l'âme, je sais plus comment ça s'appelle, la clé anglaise je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûr. Donc là vous voyez, je me dépêche pour aller chercher un homme, donc il y a juste là-bas. Excusez-moi parce que là je vois que ça lag. Hop là, tac. Donc il y a des grosses baisses de... Comment dire, de connexion. Donc c'est pour ça que si ça bug dans la vidéo, bah c'est que j'ai... C'est à ce moment-là que je vous dis. Enfin bref, c'est que ça bug quoi. Et donc là, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous. Moi je vous dis peace et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.